Le protestantisme est une religion bien vivante. Évidemment, dans nos communautés, nous avons de nombreux membres qui sont tombés dans la marmite quand ils étaient petits. C'est-à-dire que leurs parents, leurs grands-parents sont protestants, étaient protestants. Ils en sont d'ailleurs assez fiers. Mais aujourd'hui, il y a de nombreuses personnes qui arrivent dans nos communautés et qui nous demandent parfois, même souvent, comment devenir protestant. Eh bien, il y a de multiples voies, il y a de multiples façons de se dire protestant. D'abord, en premier, je voudrais dire bienvenue. Bienvenue à vous toutes et vous tous qui franchissez le seuil d'un temple ou qui nous regardez au loin à travers YouTube, Facebook et tous ces réseaux sociaux et qui nous découvrez ainsi. Bienvenue. Ensuite, eh bien, il n'est pas forcément nécessaire de dire d'un seul coup « Ah ben maintenant, je suis protestant ». Eh bien, fréquenter une communauté sans forcément dire ouvertement « je suis protestant ». Mais certaines personnes veulent aller plus loin. Alors, si vous venez d'un monde catholique, si vous avez été baptisé étant enfant, nous ne rebaptisons pas. Le baptême, en effet, est reconnu par les catholiques et par les protestants. Donc, nous pouvons en tout cas vous proposer de faire officiellement, au cours d'un culte, ce qu'on appelle une profession de foi, qui s'accompagne d'un accueil dans la communauté, c'est-à-dire que la personne désire dire publiquement au cours d'un culte eh bien, que désormais, elle se sent protestante, elle veut appartenir à une communauté protestante et la communauté lui dit « bienvenue ». Ça, c'est une première chose. Mais des personnes venant du monde catholique ne passent pas par cette étape et font partie tout à fait de nos communautés et vivent très bien ainsi. Et c'est tant mieux que chacun puisse trouver sa place comme il le souhaite. Ensuite, il y a aujourd'hui tout de même de nombreuses personnes qui n'ont pas été baptisées. Eh bien, il faut, s'ils le souhaitent, se faire baptiser. Bien sûr, je dirais que c'est quand même mieux de se faire baptiser parce que le baptême, c'est aussi le signe de l'entrée dans la communauté. Alors, pour l'enfant, c'est le signe de l'amour de Dieu. Pour l'adulte aussi, c'est le signe de l'amour de Dieu. Mais c'est aussi un acte public de foi, de confession de foi et de dire son désir de faire partie d'une communauté protestante qui va bien évidemment au-delà des murs d'une église ou d'un temple. Et bien sûr, il y a cette étape qui est le baptême. Mais il faut bien comprendre que Dieu nous aime, baptisés ou non baptisés. C'est un signe visible, ce n'est pas une obligation. Mais c'est certainement quelque chose de très fort dans la vie d'un croyant, de dire publiquement sa foi, de confesser sa foi, de demander le baptême ou bien l'accueil dans une communauté. C'est quelque chose de toujours très très important et pour la personne et pour la communauté. Y a-t-il une préparation pour tout cela? Eh bien aujourd'hui la préparation aussi est multiple. Bien des gens arrivent à nous via les réseaux sociaux et nous connaissent déjà pas mal et connaissent déjà pas mal notre pensée, la manière dont nous lisons l'Évangile, dont nous partageons notre foi dans notre communauté. Alors il y a plusieurs rencontres avec le pasteur ou la pasteur et puis on décide d'un jour ou d'un culte où la personne peut être accueillie. Vous pouvez aussi assister au culte, vous pouvez suivre des cycles bibliques, il y a plein de manières de se préparer. Mais je voudrais dire qu'il n'y a pas que la préparation, il y a la suite, il y a la suite de l'engagement dans la communauté. La question se pose, est-ce que vous voulez vous engager de manière plus formelle, plus physique, à faire des choses dans la communauté, ou bien est-ce que, eh bien, pour l'instant, vous vous sentez encore, en quelque sorte, un consommateur qui vient recevoir. Et c'est très important aussi, cette manière de recevoir, de la communauté qui donne à ceux qui arrivent. Vous le voyez, il y a bien des manières d'être accueilli, il y a bien des manières de se dire protestant. Cela peut se faire dans la plus grande discrétion, cela peut se faire publiquement et ensuite vous pouvez vous engager à votre mesure. En tout cas, bienvenue à vous toutes et à vous tous.